Pardon, monsieur le capitaine. Monsieur le capitaine de la RSPD. Calme-toi. Il est fou, lui. Allons, faillons, faillons. Non, c'est fermé. Hey tout le monde, les gars, c'est Kylan, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, je sors enfin des vidéos, voilà, parce que les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors pourquoi? Bah parce que j'étais malade, tout simplement. Donc je m'en excuse. Et donc maintenant, on est parti pour du lourd. Alors les gars, on va commencer par vous présenter mon serveur GTA 5 RP, voilà les gars, qui a ouvert déjà il y a une semaine, voilà, tout simplement. Et donc les gars, je vais vous montrer un peu déjà, je vais vous expliquer un peu les jobs qu'il y a. Donc les gars, je vais vous dire les jobs qu'il y a. Ok les gars, donc on va commencer alors par l'armée, mais bon pour l'instant ils l'ont pas encore mis, mais d'ici un ou deux jours ça sera mis les gars. Alors dans l'armée on a officier, sergent, lieutenant, major, capitaine, colonel et général. Alors pour ceux qui veulent savoir, dans l'armée les officiers gagnent 250$, les sergents 400$, les lieutenants 650$, les majors 800 ou 850$, un truc comme ça, je sais plus trop. Les capitaines 1250, les colonels 1400 et le général 1650$, tout simplement. Après les gars, dans tout ce qui est gouvernement, alors garde du corps il gagne 400$, voilà, bon, tous les 10 minutes, mais bon, normalement c'est comme si c'était les mois, voilà, comme vous savez. Après procureur 900$, avocat 1000$, secrétaire 1250$, le président 1750$, voilà. Alors les gars, alors là voilà, dans la LSPD, parce que moi les gars je suis dans la police, hein, je suis le commandant, hein, et lieutenant. Donc les gars, dans la LSPD, parce que je le connais par cœur, ce qu'on a, on a alors les cadets qui ont que 250$ par minute, ou là non pas par minute, ça va pas, non par tous les 10 minutes, voilà, ou 10 ou 15 minutes, je sais plus tout à fait. Ah, excusez-moi les gars si vous entendez mes chiens, je m'en excuse. Donc après on a officier avec 350$. Hein. Après on a le sergent, alors si je me trompe pas on est à 550$ tout simplement. Après dans le lieutenant, en gros moi je me fais à peu près 1000, voilà. Et puis le commandant il se fait 1500 tout simplement. Ah bah, ah bah bien plus, excusez-moi, vous avez reçu votre deuxième salaire. Ah bah oui, parce que oui, voilà, le... comme j'ai lieutenant et commandant en même temps, ça me fait gagner les deux. Et bah ouais, bah voilà. Bon bah je gagne un peu plus, mais ça c'est voilà, hein, ça reste entre nous. Bon. Après les gars, en job, alors on a le mécano, alors déjà la recrue dans le mécano, il gagne que 350$, les novices, ils gagnent 650, les expérimentés, 850. Alors après le chef d'équipe, il gagne 2050$, et le patron, il se fait à peu près, attendez, je regarde un petit peu vite sur mon affiche, parce que là, je vais être perdu, le patron, 1500$, tout simplement. Hop, attends, voilà, ça passe. Alors on va rester comme ça vite fait les gars. Alors par contre, ouais, ta gueule, voilà. Alors après les gars, on a le concessionnaire, alors bon, il a toujours recrue, novice, expérimenté, patron. Alors dans les recrues, il gagne 750$, novice 1250, expérimenté 1500 et patron 2000$, tout simplement. Voilà, dans le FBI, alors ouais, FBI, alors en tant qu'agent du FBI tout court, vous gagnez 1250, en agent spécial 1750$ et en directeur 2500. Voilà. Après les gars, attends, je vais me garer sur le côté, hop. Après les gars, alors on a le job tabac, alors les tabacs, alors c'est les recrues, tout ça, gérant, bon je vais pas tous vous faire, mais bon, les recrues 750$, gérant 1250 et patron 1750. Dans le unicorn, en gros, c'est ceux qui font dans les bars et tout ça, dans, bah pour faire, ouais, bon, vous avez compris. Alors barman 500$, danseur 750$, videur 1000$, gérant 1250, voilà. Alors après les gars... Alors on a le grade taxi, alors le, pardon, excusez-moi, le grade taxi, ouais, le job taxi, excusez-moi, conducteur, alors le, celui qui conduit le, en gros un chauffeur de taxi normal, il gagne actuellement 750$. Après un chauffeur privé, il gagne vendeur 750, non, oh là, non, chauffeur privé 1250, et le PDG, en gros le chef de, voilà, du... de ceux qui s'occupent des taxis, 1750$ tout simplement. Et en tant que vigneron, alors les gars, alors les débutants c'est 500$, après les planteurs c'est 800$, les vignerons 1000$ et les patrons 1500. Oui, 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 1500 les gars, tout simplement. Puis après, alors on va terminer par les EMS, alors les débutants 250$.
Après, on a ambulancier qui gagne 500$. Après, on a infirmier à 750$. Docteur à 1000$. Chirurgien à 1500$. Et PDG à 2000$. Voilà, les gars. Donc, alors, attendez. On va aller au commissaire. Parce que je vais vous expliquer parce que... Parce qu'il y en a peut-être qui vont vouloir aller au commissariat, les gars. Donc, les gars, je vais vous expliquer pour le commissariat. Alors, pour être recruté, donc il y aura tout un truc pour être recruté, un oral, tout ça. Bon, ça, ça sera sur Discord. Mais si, hein, si au moment que vous allez en jeu, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, les gars, on commence à y arriver, voilà. Alors, les gars, normalement, le commissariat sera customisé dans pas longtemps, voilà, tout simplement. Il a déjà commencé, hein, en fait. Alors pourquoi Noël? Pourquoi Noël, les gars? Il faudra m'expliquer. Alors comment fermer ce truc? Non, c'est pas ça. U. Non. Si, U, Y. Oh, je sais pas comment fermer. Hein. C'est quoi, ça va rester comme ça, les gars. Donc, les gars, pour être... Alors, je vais aller mettre en service. Bonjour, monsieur. Bonjour. En quoi je peux vous aider? De quoi, dites-moi? En quoi je puis vous aider? Non, rien. Oh, rien, très bien. Bah, bonne journée, monsieur. Alors ça, les gars, c'est... Ta gueule. C'est quoi? Ah, voilà, bon, les gars, c'est le fondateur. Voilà, c'est Bire, les gars, tout simplement. Le petit Bire. Donc, les... Oh, putain, c'est fermé. Hop, on ouvre. Voilà, les gars. Alors, on y va, les gars. Alors, bah, de base, on met sa tenue. Voilà, tout ça. Donc, moi, j'y vais. Et après, alors les gars, je vous explique, voilà, vous avez vu beau gosse et tout. Maintenant, les gars, je vais vous expliquer un truc. Vous faites F6, et là, oulala, vous êtes en train de vous perdre. Alors les gars, on va commencer dans statut de l'agent, et on fait prise de service, tout simplement. Voilà, là, vous avez pris votre prise de service. Maintenant, pour avoir ces équipements, bon, voilà, je les ai déjà, mais pour les avoir, normalement, vous êtes dans équipement LSPD et équipement CMD. Voilà, bah, vous, ça sera peut-être KD, voilà. Tout simplement, voilà, hop. Et les bruits des armes ont été modifiés, tout simplement. Alors, écoutez le bruit. Après, on a le bruit du petit pistolet, écoutez. Voilà. Après... Oula, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? C'est le procureur. Ah, d'accord. Donc, les gars, après, on a le... Vous avez oublié? Faites les tests de tir. Oui, peut-être. Je suis en train de faire tester un truc. Pas de soucis. Après, les gars, écoutez le bruit du sniper. Alors, oui, il fait beaucoup de bruit, tout simplement. Voilà. Après, bah, je crois que les gars, c'est déjà pas mal. Monsieur, si vous savez pas votre administration, va falloir vous retrouver votre mémoire, hein. De comment? Mais je suis en train de faire... Non, mais votre... Un vlog. Non, mais si vous savez pas l'administration, hein, franchement... La vérité, tu vas rien comprendre. Comment ça, je vais rien comprendre? Ben, l'administration, normalement, tu connais. Les avocats, les procureurs. Oh, tu me fais chier, hein. Oh, tu me fais chier. Pardon, pardon, monsieur le capitaine. Monsieur le capitaine de la LSPD. Calme-toi. Il est fou, lui. Allons, saillons. Non, c'est fermé. On renferme tout ça parce que... Merde. Alors les gars, je vais vous présenter maintenant les véhicules, de comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Putain, il va m'en vouloir. Alors les gars, voilà, je vais le refaire. Voilà, vous faites là, vous allez dans magasin de véhicules. Alors bon, moi... alors le véhicule est actuellement en préparation, veuillez patienter. Ok, alors les gars, normalement... Vous n'aurez pas accès à tout ça, mais moi, normalement... Ah, attendez, parce que on attend que le véhicule il soit. Oh non, il l'a mis. Bon, alors ça, les gars, c'est ma bagnole, voilà, tout simplement. Bon, ça, après, je l'utiliserai pas, et ça sera juste pour plus le fun. Voilà, et une fois que vous avez acheté votre véhicule, vous allez ouvrir le garage. Et là, vous sortez la voiture que vous avez, tout simplement. Voilà. De comment faire. La vérité, vous m'avez attendu. Ah bah oui, hein.
Par contre, Ah ben on va faire ça. Normalement, un procureur, ça fait pas ça. D'accord, mais par contre, c'est normal ça que ça fonctionne pas. C'est pas. Pourquoi un vous me parlez bizarrement? Mais vous avez vu comment vous me parlez? Je parle normalement. D'accord. Mais pas besoin de crier, hein. Si. Très bien, très bien. Bon, les gars, sinon... J'ai un petit peu mué. Ah, d'accord. Non, je suis sourd. Est-ce que j'ai le droit de... Bon, allez, on va au magasin. Au magasin? Bah attendez, c'est de l'autre côté. Mais non, c'est de ce côté, je connais. Ah ouais, d'accord. Merci. Ah ouais, d'accord. Bon, les gars, on va tester le véhicule, hein. Oh là, oui, c'est nouveau ce véhicule, il fonctionne très bien. Ah, j'en sais rien, je vous ai remplacé en tant que commandant, la vérité. Ah non, c'est mon petit-fils, ma mémoire elle est floue. Pourquoi les gyrophares ne marchent pas? Ah ben c'est un défaut de matériel, qu'est-ce que tu veux faire? Ah merde, bon allez-y, monsieur le procureur. Qu'il est con le con. Donc les gars, le temps qu'ils prennent tout ça, sinon sur ce, il y avait tout. Après les gars, vous faites F2 pour avoir votre téléphone, mais moi j'en ai pas encore, voilà. Parce qu'on a reset le serveur. Et tout ça, bon là les gars, ils s'amusent un petit peu, hein. Le serveur il sera pas vraiment troll comme ça, c'est juste que là, je suis en train de vous le présenter, donc voilà quoi. Et sinon les gars, quand vous faites F5, bah vous savez tout ce qu'il faut. Donc les gars, moi sur ce, si vous voulez avoir d'autres nouveautés, bah, tout ce que t'as à faire, ça, à liker, à t'abonner.